Vous avez vu Hulk en short. Maintenant, vous allez voir Hulk à poil. Salut à toutes et à tous, c'est Dieuyov. On se retrouve aujourd'hui sur Saints Row The Third. Et c'est parti, on commence directement à foutre complètement le bordel. Alors, comme vous avez vu, mon personnage est assez spécial. J'ai fait l'incroyable Hulk. Et je remercie la chaîne d'un Américain. Un Américain qui montre comment faire des stars sur Saints Row 2 et 3. Il s'appelle Marcus Garlic, si je ne me trompe pas. Je mettrai le lien de sa chaîne dans ma vidéo. Parce que je le remercie déjà de m'avoir montré, d'avoir montré à tout le monde de comment on peut faire Hulk. Et moi, j'ai vraiment kiffé le personnage, alors j'ai bien voulu faire Hulk. Et puis il est vraiment pas mal, hein. Et moi je l'ai foutu à poil, parce qu'il n'y avait aucun short qui ressemblait à celui du film, donc tant pis. Je trouvais ça drôle de toute façon. Alors, avec vous, dans cette vidéo, c'est parti pour faire... qu'est-ce qu'on pouvait faire? Tiens, on va faire une mission que j'ai pas encore fait, tiens. Alors je vais voir les activités vite fait que j'ai débloquées. Alors Asso Helico, non. Pour l'instant j'ai envie d'aller voir, hop, un clin d'œil que je me rappelle où il est, et je vais vous montrer c'est quoi ce clin d'œil. Ah, ça commence déjà à me tuer. On va mettre la mixtape. Alors j'ai fait ma mixtape, hein. Comme je vous l'avais dit, c'était la dernière vidéo de Saints Row 2, la dernière fois. Et je remercie Zadig59 d'être venu, hein. C'était vraiment drôle. Hop. Et j'espère que ma radio sur Saints Row 3 va lui faire plaisir. En tout cas, les graphismes sont vraiment pas mal. Il y en a qui sont pas fans, mais moi j'aime bien. J'aime bien surtout la palette de couleurs. Quand il y a le coucher de soleil. Par contre là, je vous le dis, je pourrais pas mettre de code pour revenir au jour. Parce que j'ai pas recherché les codes, hein. J'ai pas. Faudrait que je regarde si je peux. Et si je peux, ben je le ferai pour la prochaine vidéo. Et de toute façon, ça devrait aller pour voir. Alors attendez. Ah non, ça, je suis bloqué. Ah, ah oui, et j'ai débloqué aussi la moto de Tron. Ah bah, on va aller la prendre. Où est-ce que c'est? C'est le loft de Shandy qui est juste là. Alors, c'est parti. Alors, j'ai pas fini le jeu, hein, comme je vous l'avais dit, hein, je finis pas le jeu avant de faire des vidéos. Là, je dois être à 20%, un truc comme ça. Oh, attendez, je vais regarder, comme ça je vais vous dire vraiment j'en suis où. J'en suis à 26%. Hop, voilà. Alors là, c'est mon garage, non? Ouais, c'est mon garage. Alors, c'est parti pour la moto de Tron. Alors ça, c'est la Hulk mobile. Alors, on va prendre la moto de Tron. Ah, elle est excellente. Bon. On va chercher la radio parce qu'elle est nulle. Ouais, j'adore cette musique. Donc t'es parti. J'avais mis où? Voilà, il est là. C'est ici. Hop. Un seul truc que j'ai pas. Enfin, que j'étais un peu déçu, c'est qu'on peut pas changer les couleurs. De la moto Tron, parce que j'aurais aimé les mettre carrément de la couleur de la moto du film. Relax, can do it. Nanana. Oh putain. Par contre, les motos, c'est. Faut s'adapter. Surtout quand on parle en vidéo, c'est dur de se concentrer. Sinon, la moto Tron, j'arrive à mieux la manier que les autres. Mais c'est vrai que c'est. Je sais pas.
Peut-être que c'est trop rapide, je sais pas du tout. Oui, on est bientôt arrivé. Alors là, il va falloir aller sur le bateau. Il doit y avoir un saut. Voilà. Et voilà. Ah ! Anna ! Ah oui, c'est bien. Hop. Yeah. Oh. Eh, c'est grand quand même un bateau. C'est assez impressionnant quand même. Ouais, c'est assez impressionnant. Hop. Ça, j'adore faire les petites pirouettes comme ça. C'est un bel ajout. J'aime bien. Et au début, j'avais peur qu'il n'y avait pas trop de free running. Je voyais des vidéos, en fait, où les personnes galéraient à monter au-dessus d'un grillage, par exemple. Et j'avais peur qu'on puisse pas monter comme dans Saints Row. On pouvait... Ouh là, il y a du clipping sur les feuilles. Je sais pas si vous l'avez vu. Ouais, j'avais peur qu'on pouvait pas sauter au-dessus du grillage parce que ça aurait été un peu con. Et voilà le petit clin d'œil que je voulais vous montrer. Le Titanic. Ah non, Jack, ne m'abandonne pas. Non. On peut même pas. Mais tu vas crever, salope. Merde. Moi je sors le god. On peut pas. Oh tant pis. Mais j'aime bien le god. Hop. Hop. Alors. Je suis nu en anglais, alors ne cherchez pas la petite bête. Alors ça c'est le labo de mettre 1000. Ça coûte 1000. Ouais, ça va, bon, on va aller acheter ça. Et après on va faire une petite activité que nos amis nous proposent. Ah oh non, je vais galérer à sortir de ça là. Ah non, c'est vrai, il y a ça ici. Oh ça j'adore sauter comme ça, je sais pas. Déjà dans Saints Row 2 là, ce qui m'énervait c'était qu'on voulait voler des voitures. Et ils s'enfuient vite en fait les voitures. Et là c'est bien, on peut courir vite. Oh strike. Salut. Ouais, et en fait ils partaient vite les voitures et on n'avait pas le temps de les prendre. Et là on a tout notre temps, on leur saute dessus, on les explose leur gueule. Et on prend la voiture tranquillement. Ou la moto hein. C'est pareil pour les motos. Et puis l'action est vraiment vraiment bien, il n'y a aucun problème de collision. Enfin, faut vraiment chercher quoi. Enfin, quand je dis problème de collision, c'est il n'y a pas de problème. Genre, regardez, je vais peut-être sauter sur la moto là, avec le panneau. Vous voyez là, il n'y a pas de problème. Puis l'action est vraiment selon la position devant la moto. Regardez par exemple. Hop, là il va faire un petit saut comme ça. Et quand je vais en avant, hop, c'est vraiment excellent quand même. Moi je trouve ça excellent. Ça c'est quoi? Hop, bah oui, je vais acheter. Parce qu'il faut que je me fasse plusieurs sous. Ok, déconnecté du Xbox Live, c'est pas grave. Ouais, donc je vais aller voir s'il y a une propriété que je peux acheter. Celle-là, 1000. Hop, bah c'est reparti, hein. Et avec vous, ah oui, voilà, c'est ça que je voulais faire avec vous, j'allais totalement oublier. Honte à moi, mais excusez-moi, je fais cette vidéo il y a une demi-heure que je viens de me réveiller. J'avais envie de faire une vidéo pour vous. Hop, donc c'est quoi qu'il faut que j'achète là? C'est quoi qu'il faut que j'achète? Ah, ça. Ok. Ok. Hop, voilà. Et ce qu'on va faire ensemble, eh bien, c'est des assassinats. Alors, direction Sensebook. Non pas Facebook, non, Sensebook. Alors, on va commencer par le meurtre d'Almozo.
Alors, lieu The Groove, 500$, monsieur Mr. Roller. Alors, plongée fatale, je représente le cercle des joueurs professionnels de Steelport, et nous sommes embêtés du fait qu'Almozo n'ait pas plongé quand il le devait. Assure-toi qu'il reste bien au fond cette fois. Harcèle ses copains Luchadore à The Groove et qu'il se montre, pour qu'il se montre. C'est bon, je sélectionnais la cible. Et ça va chier des bulles. Parce que Hulk, il en mode pas qu'autant. Je vais tous les neutraliser, mon god géant. Avec ma biloute en plastique. Alors. Bon, tiens, toi, va lire ton journal ailleurs, là, tu m'as gêné le passage. Wouh! Excellente cette moto. Wouah! Elle est un peu morte, mais bon. Wouah! Putain, il m'a fait peur le camion. J'ai eu chaud. En fait, c'est du tout juste à chaque fois quand j'évite les trucs. Alors c'est parti, on va aller devoir harceler un gang. Wow. Pour que l'autre là, le gros Mister Too Much, suit les instructions du contact pour trouver ta cible. Ah, je suis à The Groove là. Si. Groove, ouais, c'est ça. Bon, il va falloir que je tue des vieux gars. Alors, on va se mettre main nue pour l'instant. Ceci vaut, j'ai une arme. Ils vont me zigouiller. Donc ça, c'est des flics, on va rien leur faire. Je vais acheter le magasin pour l'instant. Bah ouais, mais bon. Hop. On va voir... Ah, la musique de Rocky. Ça, je suis sûr que c'est Rocky. Ça, je suis sûr que c'est Rocky. Mais je vais pas spoiler, c'est à quel moment. Enfin bon, spoiler. Ah voilà, ils sont là les mecs. Youhou. Yeah. Je prends mon code géant. C'est parti, tiens, mange ma bite en plastique. Ah. Oh putain, comment ils volent. C'est jouissif. Ah tiens. Oh, il la mange. Oh, tu l'as mangé celle-là. Oh, toi aussi tu l'as mangé. Oh, c'est bon, hein. Tiens, goûte. C'est plein de fibres. Elle est où ma cible? Elle est là ma cible. Elle est là ma cible. Vite. Il est là. Oui, il est là. Oui, ça. Bon. Tiens, je t'achève au god, moi. Tiens, moi, je t'achève. Gne. Avec ma biloute en plastique. Et voilà. Almozo terminé. 2 sur 36. Ouh. Bah, je crois qu'on va tous les faire en vidéo. Wow. Attendez. J'ai rien fait, moi. Ah non, je vais mourir. Oh non, ça va, il y a mon magasin là. Allez. J'ai la force de la biloute en moi. Alors c'est parti. Où est-ce que je dois aller? Là, je suis bloqué là. Oh non. Ah non, c'est bon, voilà. Comme je vous l'ai dit, ça va, il y a du free running. C'est parti. Allez, il faut que j'entre dans le magasin que j'ai acheté. Et j'aurais perdu ma notoriété. C'est quoi, c'est... Ah! C'est bon, j'ai perdu ma notoriété. J'adore les musiques, alors attendez. Faut que je prenne des balles ou pas? Bah, bazooka. Non, c'est bon. Oui, je quitte le magasin. Et est-ce que j'ai de l'argent à récupérer? Ouais. Ah, c'est bien ça. 7000. Il faut que je m'achète aussi des améliorations. Là, j'ai l'air complètement... Hé, la vieille, tu connais ça? T'as vu, ça sent bon. Bon, alors... peut-être faire le con.
Maintenant, c'est parti direction Sensebook. Et la prochaine cible. Smooth. Alors, Zemos. C'est une mission qui nous est donnée par Zemos. Une pute pour Appa. Ok. Alors, pour Appa. Smooth est un arnaqueur qui ne respecte pas les méthodes à l'ancienne. Et maintenant, il traîne avec le syndicat. Prend une de ses... sur Henry Steel Mills. C'est pute. Non, il faut pas que je dise le mot, sinon je vais me faire censurer. Ces hommes sont les plus grosses et les plus dégoûtantes. Pas comme ces stripteaseuses de rêve que tu vois passer ici. De toute façon, quand il se pointera, refroidis-le. Oh non, on va devoir prendre un gros temps tout fripé. C'est nul. Oh, tiens, je vais goûter. T'as vu, ils sont bons. je fais n'importe quoi. Oui. Je sais pas si vous avez entendu la voix de mon petit Hulk. Oui, je lui ai mis une voix de zombie. Du coup, c'est super drôle. Parce qu'il vient. C'est parce qu'incompréhensible par moi quand il est au téléphone, c'est excellent. Même les dialogues suivent. Ouais, attendez. Je préfère cette moto. Merci. Elle est plus rapide. J'aime beaucoup les reflets sur la route. Je trouve ça vraiment bien réalisé. Putain, celle-là, j'ai du mal à la contrôler, celle-là, par rapport à la moto de Tron. Même si elle est moins rapide que la moto de Tron. Alors, il faut que je trouve une grosse dégoûtante. Une grosse madame dégoûtante. Bon, ça c'est un gros monsieur dégoûtant. Moi, c'est pas trop mon truc. Qu'est-ce que... Tu danses, toi? Oh! C'est ça qui parle, la madame... Oh, il y a un con qui s'est torché, là, derrière. Là. Oh, t'es vraiment une biroute, hein, toi. Oh là là... c'est ça la grosse dégoûtante? Non, moi je veux une vraie grosse dégoûtante. Où est-ce qu'elle est la madame grosse dégoûtante? Aïe. Ouais, c'est ça qu'il faut que je fasse, hein, mais je vois pas de grosse dégoûtante. Bah non, elle a pas de grosse dégoûtante. Quoi de bordel? Un petit saut. Ok. J'ai fail. Bienvenue à Failand. Hop. Je vais prendre la... Non, prends la voiture. C'est mieux pour les déplacements. Oula. Bon bah là, c'est la première fois qu'il fait ça. Bah oui, mais j'aimerais bien trouver une grosse dégoûtante, moi. Ah ouais, au début du jeu, j'ai été assez surpris qu'on accélérait avec la voiture avec RT et pas avec A, comme dans le 2 et dans le 1. J'ai trouvé ça vraiment bizarre, même si c'est vrai que c'est les touches de GT. Ah, y'a la vieille, elle faisait Michael Jackson. Je sais pas si vous l'avez vu, mais... Et toi, t'as l'air d'une grosse dégoûtante, non? Non. Ok. C'est nul! Attendez, c'est bien ici, hein, qui m'a demandé d'aller, hein. Bah ouais, c'est Henry Steel Mills, là. Je sais pas, on va faire un petit tour dans la ville. On verra bien si on trouve des grosses dégoûtantes. Pour la durée de la vidéo, je crois que je vais faire une vidéo de... une quarantaine de minutes. Parce que la vidéo avec Zadix, là, a presque duré 50 minutes. Et j'ai galéré à l'envoyer. Enfin, c'était super long. Bon, ça, c'est une fan. C'est pas une grosse dégoûtante. Moi, je mets une grosse dégoûtante. Normalement, il marche pas. Hein. Bah là, il y a une
dame qui ne marche pas. Et c'est moi et c'est des sous à terre là. Et non, c'est des sous. Hein. Eh oh, mais ma voiture là. Forêt. Espèce en forêt. Madame, vous êtes une dégoûtante. Oh putain, mais comment ils conduisent les gens, c'est pas possible. Bon bah si Zadik qui regarde cette vidéo, il peut voir qu'il y a pire que moi. Hein. Il y a pire que moi, c'est tout. Bon maintenant, il faut qu'on trouve la grosse vache là. Toi t'as l'air d'une cochonne. Oh la peur, oh là là. Bonjour madame, ça serait pour une livraison. Une livraison bon marché et physique, on va dire. Oula, je vais écrire un bouchon moi. Motherfucker? Il a dit motherfucker? T'es mort, espèce de motherfucker. Tiens! Moi je te défonce ta bagnole avec mon god. Pas me faire chier lui. Motherfucker. C'est quoi ce bordel? Dans quel monde on vit? Et l'autre, comment il coule? Comment il roule? C'est complètement n'importe quoi. Et il y a le drapeau japonais sur un panneau. Red Route, ok. Il écrit dessus Red Route. Bon, je sais pas où est-ce qu'on peut trouver des prostituées. Peut-être à la rue centrale ici. On va aller voir. Et la distance d'affichage est vraiment meilleure que Saints Row 2. Enfin, heureusement d'ailleurs. Mais c'est vraiment très joli. Moi, j'apprécie énormément regarder le paysage. Puis d'ailleurs, on ira dans un de mes QG après. Je vous montrerai une belle vue. On se quittera là-dessus. Bon, bah ça, c'est l'allée principale. Il devrait y avoir des... Ah, elle marche pas. Non. Non, elle est pas dégoûtante, elle. Voilà, ils se sont gourés dans le skin. Oh! Oh! Je te klaxonne, là! Venaise. Bon, bah, sinon, on va faire un autre, hein. Pour le moment. Je crois qu'on va faire un autre. Allez, hop! On va faire un autre. Non, c'est l'émission Sensebook. Alors, Michael. Un lieu Ashwood. Arrêté, encore. Michael est un ancien procureur qui bosse pour les Deckers désormais. Non seulement il est complètement véreux, mais il a aussi écrit un bouquin sur la protection d'identité. J'en ai un exemplaire, c'est pas si mauvais en fait. Je sais qu'il va travailler en voiture, donc je pense que tu pourrais prendre une voiture de police et l'arrêter quelque part à Ashwood. Ok, bah ça c'est pas dur. Une voiture de police, il y en a partout. Voilà une mission digne de ce nom. Ah, il y a un saut ici, j'ai trop envie de le faire. Alors on va le faire. De toute façon, c'est une vidéo détente. Alors j'ai fait ce que je veux. Oula. C'est parti. En plus, il faut que je fonce. Ah, pardon madame. Yeah. Oh. Oh, oh. Bon, c'est pas grave. De toute façon, moi, je vais de moto. Comment on sort d'ici? Et ici, il y a toujours la... Quand il y a la voiture sur le dos, il y a toujours l'explosion. Alors que dans GTA, il l'avait plus. Voilà. Salut. Hop. Il y a telle radio. Ah. Ah oui, il y a une musique de... Une musique qu'il y a dans GTA Episode from Liberty City, enfin The Ballad of Gay Tony. Wow. Ouais, donc il y a cette musique là, elle est dans GTA The Ballad of Gay Tony. Et c'est vrai que ça me disait quelque chose. Et c'est vrai que c'était dans Gay Tony. J'adore les musiques sont vraiment bien.
Il y en a des connus en plus. Comme Satisfaction. Dun, 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 dun. Je vais pas me mettre à chanter. Alors, intrusion du contact. Il me faut une voiture de police. Non. Alors, il suffit que je cherche des petits points rouges sur la map. Je devrais pouvoir en trouver une. Faut que je la trouve ici, ça machin là. Ouais, Ashwood, ok. Alors, une voiture de police, ça devrait pas être compliqué à trouver, hein. Au pire, on fout le bordel et on attend la voiture. Alors, c'est parti. On va faire le bordel. Aïe, Pépito. Il a mangé mon Z, lui. Youhou. Oh, bouh. Attendez, le flic. Oh, le flic, ça va être violent. Oupa. T'appelles temps de me voir, ça. Hé, Blondine. Blondine, top. Alors, ensuite. Tiens, la mamie. Oh. Ah, elle est morte. Et toi là, t'as voulu t'échapper. Coucou. Elle est pas morte, elle est résistante. À moins qu'elle est morte. Ah si, elle est morte. Bon, bah, la police là. Elle est où, la police? Ah yeah. La Matrix. C'est parti. Alors maintenant, on a notre cible. C'est bon, on va aller défoncer sa tête de Schtroumpf. C'est parti. Wouh. Ça, c'était beau. Oula. C'est vrai, je l'ai pas vu, là. Bah alors. Regardez, on va le défoncer. Oh oui. Oh, ça, c'est trop dark, ça. Bien. Hop. Salut les flics. Au revoir les flics. Alors, mission suivante. Enfin, assassinat suivant. Hop. Alors, ce mouvement. Allez, Alejandro. Prends le chargement. Les luchadors ont bâti leur succès sur l'importation de stéroïdes. Chaque semaine, ce gars leur amène un nouveau chargement. Il sera sur les docks près de Sunset Park, attendant qu'un véhicule luchador vient récupérer la cam. Assure-toi d'être le chauffeur et mets un terme à l'opération. Ok, c'est bon. Les luchadors, c'est qui? Ah oui, c'est les verts. C'est les verts, je crois. Ouais, c'est les verts. C'est le gang des verts. Et en plus, Hulk, il est tout vert. Alors, il va passer inaperçu. Je suis né pour être fou. Ah. Ah ouais, c'est vrai, j'ai toujours les flics, moi. Bon, c'est pas grave. Ils sont pas si chiants. Ils sont pas tellement chiants. Ils pourraient être plus chiants. Hop, alors, ici, on tourne. Pardon, madame. La pauvre, elle lisait son journal, et puis moi... Et moi, je l'ai zigouillé comme ça, sans aucune pitié. Putain, mais où il me fait passer le GPS, là? C'est un parcours du combattant, ça? Merde. Attends. Attendez. Saute de ma gueule, là. Ah non, il se fout de ma gueule, hein. C'est pas vrai. Putain, j'y crois pas. Il se fout complètement de ma gueule. Super. Encore heureux que je puisse reprendre mon véhicule. Putain, pourquoi il m'amène là? C'est complètement bizarre de me montrer ça. Bon, vous voyez, en exclusivité, un bug de la map. Complètement bizarre. Ah,
Elle a failli perdre sa vie, la meuf, là. Elle a eu chaud au FFS. Et ils vont super vite, les voitures de flics. Ils sont complètement pétés. Ah bah voilà, une vraie route. Voilà, ça c'est une vraie route. L'autre, il allait me faire passer dans le lac avec ma voiture. Non mais... J'ai pas une voiture volante, hein. J'aimerais bien. Je dirais pas non. Bon ben là, je sais pas vraiment quoi dire. On va aller juste défoncer cet enfoiré de livreur de stéroïdes. Donc ça, ce magasin, je l'ai déjà acheté. Tiens, mais en passant devant les magasins, on va voir si je peux l'acheter. Parce que ça me ramène de l'argent. Et ça, c'est bien. Oula, mon bonhomme là, Hulk là, il est pas content. Je sais pas, il fait... Ah, bah voilà, par exemple ça. Distance contre sens, ok. Ça donc, 5000. Allez, hop, le chef. Oh, les madames. Bon, sinon... on va prendre la mitrailleuse, la Kalachnikov. Et j'espère que c'est qu'à cet endroit-là, on va vite trouver une voiture. Hop, mixtape. Satisfaction. Satisfaction. Oh yeah. Alors, bon. Maintenant, je cherche une voiture de Luke Shadow. Il devrait en avoir une tout près, non? Ah, il y a un gars qui fait de la guitare là-bas. Attendez, on va y aller en paix. Hop. On va aller voir. C'est Francis... Francis Cabrel. Ça y est, je t'ai donné un nom. T'es content? Ah, si... de la vie. Tiens. Fallait que je le fasse. Donne-moi ta guitare, tiens. Elle est où? Elle a disparu, sa guitare. Eh ouais, elle a disparu, sa guitare. Il a une guitare magique. Et là, la madame, elle est sur le banc. Oh, il y a une madame, là. Une sexy bombasse. Yeah. Arrête, je suis moche. Ah, je suis pas fait pour toi. Toi et moi, c'est pas possible. Bon. Oh, luchador. Je sais même pas si c'est un véhicule luchador. Le luchador, je crois que c'est plutôt les verts, mais... Ok. Ouais, je me suis gouré de voiture. Il faut que je trouve une voiture verte. Donc c'est pas les rouges, c'est clair. Les rouges, je crois que c'est le syndicat. Ou les étoiles. Ouais, les étoiles du matin, je crois. Ça s'appelle. Bon, au pire, on voit un gars vert, on l'explose sa gueule. Bon, ça fait un peu con de dire ça alors que mon bonhomme c'est Hulk, mais bon. Alors ça, c'est mon magasin. Planet Essence. Pour m'habiller. J'ai assez d'argent. Bah oui, donc je m'achète. Bon bah là, j'aimerais bien tuer le vilain pas beau, là. Ça m'énerve, ça, de chercher tout le temps, là. Hop, on va prendre une moto, ça va aller plus vite. Hop, ouais, c'est une belle musique. Oh là, ils veulent me refaire passer dans l'eau. Faut que je trouve un véhicule vert. Ou un mec vert, luchador. Ok, ça c'est l'église. C'est pas l'église des Saints. Oula, non madame. C'était pas mon intention. Bon, au diable ce blaireau. Ouais, donc au diable ce blaireau, on va prendre un autre. Ah, il est déjà 34 minutes de vidéo. Donc c'est qui? C'est lui. Sectionner la cible.
On le fera plus tard. Vol de véhicule, c'est quoi ça? Ah ouais, ok. Bon, bah, on va le faire aussi ensemble, ça. Par contre, j'ai envie de vous montrer mon QG. Ah, mais il est juste derrière, c'est parfait. Oula. Et je vais vous montrer la belle vue qu'on a d'en haut. Hop. Hop. Voilà. Hop. C'est parti, alors on monte. Par contre, il pleut, alors c'est pas terrible. Avec la musique classique dès qu'on entre. Hop. Voilà. Voilà. Non, il va pas m'emmener en bas. Si, il m'emmène en bas. Allez, hop. Allez, jusqu'à la suite. Ok. J'ai fail. Voilà, donc on avance ici. Et voici ma maison. Putain, j'avais pas vu qu'il y avait une putain de hache ici. Hop. Ouais. Ça c'est quoi? Les trucs du syndicat ne savent pas s'arrêter et s'attaquent à notre plan, tu dois aller virer de là. Ouais, ça va défoncer les gars. Alors c'est parti. On va sauter. Oh non, attendez. On va faire une petite arme de snipe. Quoi? Merde. C'est con ça. Bon bah tant pis, ça va chier des bulles. Oula. J'ai fail. Comme un gros babouin. En fin de l'action, moi j'ai envie de dire. Ah, j'ai une amélioration débloquée. Tiens, toi tu vas pas me faire chier. Oh putain. Ah. Ah non, il y a lui là. J'aime pas ça. Ah. Putain, je les aime pas eux. Ils me saoulent. Ah. Mais fais quelque chose toi. Non. Pas mourir. Vite. Vite. Allez. Faut que je monte. Abandonne. Mais regardez, ils mettent directement 5 étoiles. C'est quoi ce bordel? Moi, je sais ce que je vais faire. Hop. C'est... Je sais pas ce que je vais faire, en fait. Non, je vais rien faire, en fait. Il y a trop de monde. Au fond, il n'y a plus personne. Ils sont tous partis, je crois. Bon, bah, on va faire un petit saut... Un petit saut à l'hélico. Alors, c'est comment déjà on monte comme ça? Voilà, c'est le même contrôle que Saints Row 2 cette fois-ci. Tiens, bah, j'ai envie d'aller récupérer un avion. J'en ai jamais conduit un dans Saints Row 2. Enfin, voilà. J'ai jamais conduit un, pourtant j'en ai vu un quand j'avais été faire une petite mission. Alors, on va aller le chercher. Oh, par contre, il est pas rapide. Hein. C'est l'hélico. Dommage, il n'y a pas de Crystal Lake dans celui-là. Non, je vous l'aurais montré avec plaisir. Ah, c'est vraiment une ambiance à la Las Vegas quand même. Enfin, Los Angeles aussi. Excusez-moi. Parce que j'ai le nez bouché, alors je parle pas beaucoup là. Donc on va aller récupérer un avion. On va le faire exploser contre un immeuble pour le plaisir. Bon, je sais que c'est pas à prendre à la rigolade ça, mais j'ai envie de faire un truc de malade mental. Alors c'est ce qu'on va faire, on va le faire contre une tour, alors je sais pas laquelle. Mais on va voir déjà s'il y a un avion. Oh là, à notre disposition. Donc ça c'est les gros avions. Là, il y a les gros avions. Les autres. Moi, je crois que c'est un noir, hein, je crois, qui est là. C'est un avion tout noir.
peut être par là. Bah ouais, mais... Bon, attendez, hop, on va le jeter. Wouhou! Et là, on peut vraiment décrocher le parachute au dernier moment. Hop. Voilà. Alors maintenant, il faut trouver un avion. Oh bah... Bah là, il y a le petit machin, là. Le petit caddie. Hop, c'est parfait. En attendant de chercher notre petit... Notre petit avion. Oh! J'ai eu peur. Ah, il y a là, notre avion. Ouais. Yeah, il est vraiment beau. Il est vraiment, vraiment beau. Hop. Et après cette vidéo, moi, je vais attaquer le... Ok, hop. Donc moi, je vais attaquer la mission principale. Ah, j'adore cette musique. Oh. Yeah, yeah. En plus, ils mettent un moment sur une mission. C'est vraiment jouissif. Ouais. Alors, comment... Oula. Comment on fait les loopings? Comment on fait les loopings? Je sais qu'on peut en faire, mais... Non. Ah, comme ça. Non? Ah, voilà, comme ça. Ouais. Yeah. Oh. Yeah. Oh, c'est vraiment stylé. Wouh. Et on va l'exploser sur une tour. Oh, celle-là, là-bas, là, entre les deux tours. Ça peut être pas mal. C'est vraiment bien la conduite, elle est vraiment pas mal. On va aller au maximum le plus haut. Voir vite fait où est-ce que notre avion est capable d'aller. C'est vrai que ça intéresse plusieurs personnes. Là, je suis déjà assez haut là, non? Oula! Oh oui! Quand même. Alors c'est parti pour faire péter notre avion. C'est parti! Ouh! Ah! Alors, on va définir une cible de base jump. Oh là! Ah! Voilà, une cible. Ben voilà, ça c'est bien. Hop, voilà. Donc, on a fait notre petit saut en base jump et on se laissera ici. Je vais essayer d'avoir la cible. Je sais pas si ça me donne de l'argent. Ou quoi. Ouh, il va avoir de l'orage. Tiens, je sais même pas si je descends là. Si, on dirait. On dirait que je descends. Ok. Je vais peut-être tourner sur moi-même. Pour me faire descendre un peu plus vite. Voilà. C'est vrai, il n'y a pas de temps à... Il n'y a pas de temps pour arriver à la cible. Donc ça va. C'est vraiment une ambiance... Glock. Allez, hop. Allez. J'ai envie d'atterrir. Voilà, on y est. Ouais. Atterrissage en base jump 1 sur 15. Ah, ok. Si le Chador envolait mes stéroïdes, je pourrais les arrêter moi-même si j'avais mes pilules. Ok. On va aller sauver Willy. Avec la musique. I need a hero. Yeah. Oh. Bon bah allez, ça fait 44 minutes, 45 minutes même,
Et je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et il y en aura d'autres. Et bah, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de me laisser les commentaires. Salut à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Bon, allez. Salut à tous. Allez, allez Hulk. Fais, dis au revoir. Ok, yeah. Allez, je vous laisse. Oui. Tiens-le, madame. Bon, allez, j'arrête la vidéo. Salut à tous. Tiens la vie. Salut à tous et... à bientôt.